Les progrès réalisés et les lacunes identifiées dans la mise en œuvre des normes et exigences du Fonds mondial pour la lutte contre le paludisme ont été des points importants inscrits à cet atelier d'évaluation des capacités du Programme national de lutte contre le paludisme. Cette rencontre obéit à l'initiative High Performing Implementers HPI afin d'améliorer les capacités des acteurs du PNLP dans la gestion des subventions du Fonds mondial. Nous avons la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, nous avons la gouvernance, nous avons la gestion de vie financière et enfin le suivi évaluation. Ce sont donc les quatre domaines prioritaires du Fonds mondial qui vont permettre d'apprécier la capacité de mise en œuvre des subventions du Fonds mondial au niveau du PNLP. La mise en œuvre du programme HPI au niveau du PNLP dans la lutte contre cette première cause de mortalité a été évoquée par son directeur. Le programme HPI a permis au programme paludisme d'acquérir des aptitudes et des compétences et de renforcement des capacités. En ce qui concerne la gouvernance, aujourd'hui, on peut être fier de dire qu'au PNLP, la gouvernance est en train de s'améliorer. Les progrès réalisés dans le cadre de ce programme représentent un atout pour le ministère en charge de la Santé. Ayant remarqué des progrès encourageants dans les quatre domaines précités et constatant la pertinence de cette initiative, le Fonds mondial, CRS et le PNLP ont de façon unanime résolu de poursuivre les activités en lien avec l'approfondissement de l'initiative pendant la mise en œuvre de la nouvelle subvention GC7. L'atelier qui s'ouvre ce jour a pour objectif d'apprécier les nouveaux progrès obtenus depuis la dernière auto-évaluation du PNLP. Cette rencontre permettra aux participants de collecter les données nécessaires à la bonne communication des progrès réalisés par le PNLP pour l'atteinte des normes du Fonds mondial dans les domaines prioritaires afin de mettre en avant l'importance et les effets des interventions de renforcement des capacités HPI.